sont un véritable espoir de développement pour les territoires. Ça entraîne nos élèves à des méthodes de travail dont ils auront besoin dans le futur. Félicitations à toutes et à tous pour votre participation à ce challenge. Nous sommes l'équipe Breathe In. Nous sommes un drone sondeur de la qualité de l'air. Nous cartographions la qualité de l'air extérieur et nous dépollons l'air également. Alors moi c'est Zinedine, je viens de la Fabrique Numérique et aujourd'hui notre projet c'est de cartographier le quartier populaire de la Fauconnière à l'aide d'outils open source comme OpenStreetMap. Nous sommes le groupe e-Waste et nous proposons un système de gestion optimisé de la collecte des déchets en Roissy Pays de France. Alors nous sommes l'équipe Electric Walk et nous proposons un système innovant de dalles de sol connectées permettant aux grandes infrastructures de produire de l'électricité verte grâce au pas des passants. Mon projet, c'est un projet de Fab Lab mobile. Donc j'ai dans un camion des outils de fabrication numérique pour les rendre accessibles au plus grand nombre. J'ai été particulièrement frappé par l'organisation de l'événement. Ce challenge, il m'a conforté dans l'idée que nous sommes entourés de plein d'esprits imaginatifs et créatifs. Le projet est question publique, donc c'est un projet de consultation citoyenne via des affiches connectées qui sont installées dans l'espace public. De voir les réactions des personnes qui sont dans le public ou des personnes qui sont dans le jury, c'est important aussi pour nous d'avoir des retours. Air France a toujours ce souci de responsabiliser justement ce genre d'initiative. La surprise est venue quand même de la qualité quand même des projets présentés qui sont preuve quand même de certaines audaces entrepreneuriales, innovantes, mais qui apportent une réponse assez immédiate aux problématiques données par la vie quotidienne. C'est toujours enrichissant d'avoir aujourd'hui des jeunes en face de nous pouvant prendre quand même l'initiative de l'innovation et de pouvoir justement aller vers le numérique. Le numérique, de toute manière, a pris une place prépondérante dans l'entreprise en France aujourd'hui. Des rencontres surtout avec d'autres projets, avec l'agglomération et avec des futurs partenaires dans l'agglomération. Challenge numérique va nous apporter ce petit coup de pouce dont on a besoin aujourd'hui au stade du projet. En tout cas, le challenge et le fait d'avoir ce prix, je pense que ça légitime un peu le projet.